C'est vrai qu'on a une belle vue d'ici, n'empêche. Allez, salut à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode d'Holicube. Alors, moi je me dépêche, hein. J'ai à peine sorti déjà un autre épisode qu'en fait, je commence à tourner celui-là parce que j'ai vu que les copains, ils ont posté des trucs fort sympathiques. Donc déjà d'entrée, on va prendre des diamants et on va aller faire des cocos. Alors, je sais pas combien il en faut, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, on est là pour se faire plaisir. Alors, pour l'instant, vous voyez, là, dans cette intro, le toit n'est pas encore fait, mais je sais que ça va changer très très vite. Mais ça, bon, je vais pas trop vous spoiler. Allez, on va prendre notre petite Tagana. Allez, Tagana. Ouais. Oh, t'as du mal à respirer, t'as trop fumé dans ta vie, c'est ça. C'est vrai qu'ils font des bruits assez bizarres. Bon, enfin, en même temps, déjà, on se demande comment ils arrivent à faire des bruits, puisque c'est que un tas de nanos, en fait, tout ça. Hein. Juste un petit tas de nanos. Alors, on se promène en Shader. C'est vrai que c'est quand même sympa. J'adore vraiment me balader sur Holicube en Shader. C'est quand même vraiment magnifique. C'est magnifique. Alors, donc, on va poser notre dot d'or. Ah, il n'y a plus d'enclos ici. Ah bah si, non mais, oh là, oh là, oh là, oh là, du calme mon pépère, du calme. Alors déjà, on va aller ici, nia. Alors ici, il y a des livres mending, alors donc je sais que c'est en libre service. Par contre, je sais pas combien j'ai le droit d'en prendre, parce que, alors pourquoi ça pourrait être intéressant. Mon casque, il en a, mon pantalon, ça vaut pas tellement le coup, par contre, mes godasses... Ouais. Allez, on va en prendre déjà au moins un. Je vais en laisser pour les copains, hein. Je sais que c'est en libre service, mais bon, le but c'est pas non plus de tout piller. Bon, je vais en prendre au moins deux, hein, quand même. Ma pioche normale, ça c'est la pioche que j'utilise tous les jours. Elle est coefficient 3 seulement. Ou en fait, elle est pas terrible cette pioche là. Il m'en faudrait vraiment une beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'utilise le plus? Bon, on verra. Bon, de toute façon, il me faut au moins deux bouquins mending. Alors, mon arc aussi, il est pas mal, hein. Mais, j'ai pas mending dessus. Et je n'ai pas Infinity dessus. Et comme les XP sont chers à avoir en ce moment, je me suis dit, j'ai vu que Reliant, il avait fait un petit magasin là-haut. Et, honnêtement, 6 diamants. 6 diamants, c'est pas très cher, 6 diamants. Honnêtement, c'est pas très cher. Je trouve, hein. Ça a changé. Oh, qu'est-ce que c'est que... Non, il est où son magasin? À Reliant, il a changé. Il a fait. Je sais qu'il a fait un petit magasin. Il est où son petit... Oh, il est là, son petit magasin, son pépère. Voilà. 6 diams égale un arc. Alors, j'avoue que l'arc, il déménage quand même ça. Ah ouais, non, mais il déménage. Donc, on va prendre ça. En plus, il y a une flèche, mais bon, allez, je lui laisse sa flèche. Hein. Et donc, je lui laisse 6 diamants. Voilà, c'est normal. Non, honnêtement, Power 5, Flame, Unbreaking 3, Infinity, Mending et Punch 2. Moi, je dis que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc, du coup, je pourrais même dire à Reliant que vraiment... c'est quand même intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les magasins? Ah, t'as connu. C'est la journée du shopping, les amis. Je sais plus si Aurélien, il a remis des trucs là-dedans qui sont intéressants ou pas. C'était quoi, ça? Non, il y a pioche, il y en a plus. Les pommes, il y en a plus. De toute façon, j'en ai plein des pommes. Des haches. Des haches, ouais, mais... Pff, non, elles sont pas intéressantes. Ces haches, surtout que la mienne, je vais peut-être avoir Mending dessus. Les épées, c'est quoi? Juste sur test 2. Et moi, la mienne, elle est... Comment ça se fait que j'ai une smite? J'avais une sharpness? Non, bah, je sais plus. Bah, je me rappelle plus. Les Under Eye, on s'en fiche. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des placements, il y en a plus. Voilà, ouais, bah, Aurélien, il va vraiment falloir qu'il mette à jour son truc, hein. Allez, on rentre à la maison, les amis. À plus, ça. Ok, on se retrouve les amis. Alors, maintenant qu'on a fait les petites coucourses, je vais quand même vous montrer 2-3 petites avancées rapides et des trucs rigolos. Alors, non, maintenant j'ai plus faim. Je me promène un poulet à la main, ça c'est un truc.
S'imaginez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un, il se promène avec sa cuisse de poulet à la main, tranquille, et un bouclier dans l'autre. Enfin, c'est du grand n'importe quoi dans Minecraft. Hein. C'est marrant. Ouais, moi je me promène avec mes beefsteaks. Alors, vous allez voir que effectivement là, ça a bien avancé, dis donc. Ah, au niveau des toits, et c'est pas terminé, hein, parce que là, je vais continuer. Je vais bientôt faire un petit live sur Olécube. Et donc, on va continuer le toit qui a déjà pas mal avancé ici. Hein, c'est déjà pas mal, hein. Mais c'est loin d'être terminé. Et encore là, il n'y a aucune déco. Il n'y a rien de tout ça qui est encore fait. Ah, donc vous allez voir. Alors en attendant, pour la peine, et comme vous êtes sage et que vous avez été gentil, hein, je vais vous mettre un petit passage très très rigolo où on se retrouve avec Mila et Aurélien Sama qui nous fait un petit délire, qui se prend pour un petit robot. C'est un petit pissage rigolo. Et en attendant, on se retrouve juste après. Donc au niveau, j'espère que le toit aura bien avancé. Allez, c'est parti. Voilà, ça va les amis. Je suis avec Mila. Bah ça va, puis il y a Auré aussi qui est là. Ah mon Auré. Il fait mort excité là. T'as vu ce... Bon, Mila, elle avait juste besoin de Blaze Rod. Je suis Aurélien Sama. Bébé. Je suis... Et de tête de Wither. Je suis Sama Bot. Alors, faut faire mon attention. Programmeur et Aurélien Sama. Tu le fais assez bien, je trouve, en plus. Hein. Il m'a dit et puis ça fait que la programmation, hein. Il aimait ça. Enfin... Il a même dit, ça m'a botté. Ah. Il le fait j'ai trop bien. J'ai été aussi programmé pour faire des blagues de merde. Et tu y arrives drôlement bien. Merci beaucoup, être humain. Il fait chaud. Ah oui, il fait chaud. Moi j'ai déjà deux têtes. Je ne peux ressentir de t'as chaleur. T'as déjà deux têtes. Ah bah moi tu m'en as donné une. Aïe. Alors j'en ai une mais. Mais mon thermomètre intégré détecte que la température est normale. Oh purée. Ils arrêtent pas de me ficher en feu hein. Faut que je fasse attention quand même à mon armure. Non ça va. Et t'as vu que je suis toute belle quand même. Oui. Aïe! C'est vrai, enfin, bon. Après, il y a une drôle de notion de la beauté, mais dans Minecraft, oui! Dans Minecraft, oui, mais je brille pas encore. Mais c'est sûr bientôt, que si tu te pointes IRL avec une grosse armure en diamant. Je ne peux pas comprendre le concept de beauté. Ouais, il y a de fortes chances que je loot d'autres têtes, hein. J'ai quand même looting 3 sur mon épée. Ouais, ça doit aller assez vite, ouais. Statistiquement en parlant, vous pourrez looter davantage de têtes avec le looting. T'as vu, il veut pas nous les donner. C'est à cause des tapis. C'est juste à cause des tapis. Ah non, c'est pas... Ah, si, ça y est, regarde. Il y en a qu'on fait péter les tapis. Ouais. Moi, j'en ai cassé quelques-uns, mais ils doivent arriver en bas. Bon, ne passe pas. Veuillez remettre les tapis. Ils sont dégommés. Sinon la machine va exploser. Selon le manuel 5. D'utilisation B26A666B56 article 25. Mais ils ont cramé tes tapis pour ce mol. XP de voler n'importe où. Mais tais-toi sale robot là. C'est le Sama robot après les après le AI robot t'as le Sama. T'as le Sama robot. Aïe. Menace détectée, élimination de la menace. Bon, on va voir si t'en as encore looté deux, roi. Ouais, y'en a deux. Ouais, il m'en manque plus qu'une. Le roi. Aïe, qui c'est qui m'a... Mais enfin. Ah, t'es Aurélien. Ce qui vous a touché, ce n'est pas moi. Je te mets un coup de tête de Wither, moi, tiens. Je n'ai rien fait, c'est Blaze. Bon, bah du coup, il m'en manque plus qu'une. Parce que maintenant, tu sais à quoi je m'en sers des têtes de Wither. Moi, je fais des décos avec. Ah ouais, l'autre, comment il fait. Je te jure que c'est vrai, je te jure. Mort de rire. Bah du coup, j'en ai besoin que d'une. Donc la dernière, bah, tu peux la prendre, Mila, tu peux la prendre. Ah bah c'est sympa ça. C'est bien gentil. Aïe. Mes détecteurs de dommages indiquent que j'ai pris des dégâts. Ah, là, oui, là, j'ai là, un là. Super arc.
Pourquoi tant de violence? Bon, moi je rentre à la maison parce que je sens mal l'histoire. Ça va mal finir. Si tu es bloqué, éteins la ferme. Ah ouais, faut éteindre pour ressortir. Ah ouais, donc du coup... Selon le manuel B26661125B30, article 25, vous ne pouvez pas sortir sans éteindre la ferme. Oh purée, la terreur, celui-là, le pire. Ok. Bon, allez, moi je retourne à la maison. Ah tiens, ouais. Ah bah si, donc vous avez pas vu ma belle entrée? Quelle entrée? J'ai fait une belle entrée à mon palace. Eh, il y a un portail ici. Belle entrée. Ah bah ouais, je sais même pas où il arrive. Bon tiens, c'est l'occasion d'aller voir. Ah, je sais. Oula, on est où là? C'est la réserve de chiens de Shuka. Bon, j'arrête de parler. Ça y est, il a réussi à... Initiation du protocole de synthèse vocale du maître Aurélien Sama. Voilà, terminé. Non, justement, je l'initialise. Ah, d'accord. Bon, allez, moi je rentre à la maison parce que les robots, ça va 2 minutes. Il est possible qu'il y ait quelques bugs. Ah là là. Dan? Quoi? Dan? Oh Dan! Qu'est-ce que tu fais sur l'icube? Ah, je suis là. Oh, ça me fait trop plaisir. En un instant, tu vois, j'ai chopé. Bon, t'es dans mon jardin, t'es en train de regarder mon jardin? Ouais, je contemple ton magnifique jardin, mon roi, il est sublime. Bon, t'as vu, alors t'as vu, il pleut, hein, comme le veut la tradition, hein. Oui. Bon, dis donc, ça fait un peu... Je sens le chien, maintenant. Ça fait quand même 2 ans et demi hein, que t'attendais, normalement, que t'aurais dû être sur l'écume. Tu dois être trop contente. Oh oui, bon, c'est super. Bah, de toute façon, ce que je vais faire, c'est... Oh, regarde, tu vois, paf, et paf, soleil. Oh, t'as vu, c'est quand j'ai parlé de mes séries, ça. Voilà, pour la peine, alors, ce que je vais faire, un tout petit résumé de ton arrivée sur l'écume, quand même, hein. Ouais. Parce que je fais un épisode, moi, avec plein de trucs dedans, puis comme tout le monde, et même toi, hein, les amis, je vous conseille d'aller voir, donc, l'arrivée de Noé sur l'écume, elle a mis tout ça au complet. Moi, je vais juste vous faire un tout petit résumé, maintenant, et on se retrouve juste après. Alors, Noé, en attendant, je vais te filer des sapins. Allez, viens, ma chérie. J'arrive. Allez, bisous, les amis. Bisous. Moi, j'essaye de rentrer dans le... Je vais vomir. Voilà. Je vais vomir. Oh, attends, je vais en mettre un autre, Duff. Il y a François qui me regarde en mode... What the fuck? Allez. Oh lolo. J'étais à deux doigts de... Oh lolo. Mais où est-ce que t'as eu tous ces œufs, Ryan? En fait, c'est une longue histoire. Non, mais je l'ai mis sans ce que tu dis, en fait. On peut en récupérer. Moi, je peux en avoir un, moi, pour me faire mon entrée. Non, stuff, s'il vous plaît. C'est mes œufs. Va dans la tombe de roi, normalement, t'as tout. Sauf les élytras que je t'ai volé. Ouais, hein. Elle est où, la tombe de roi? Elle est là. On peut pas les récupérer, les œufs. Si, Y a aucune armure. Si ça marche, personne, connecte-toi. Eh ben dis donc, la vocation a fonctionné. Yeah. Oh lolo. Maintenant on peut la tuer. Hashtag tombe sur les dieux. Non. Aïe. Oh lolo. Tu es un zombie du coup. Tiens, mon premier cadeau. Oh lolo. Oh. Premier cadeau. Sur la vie. Tiens, donne. Mais non. Qui a tiré une flèche? Non. Bouge pas, Adon. Viens dans la petite maison. Viens dans ma petite maison. Attends, il y a une petite fleur. Tiens, bah c'est pour toi. Prends pas un stuff de base pour te protéger. Ah, tout ça, c'est pour toi. Je suis sûr que la fleur te protégera mieux qu'un stuff en fer. Bonne chance avec ta fleur. Ah là là. Merci. Bonne chance. Merci. Tiens, regarde, peut pas tu lui donner un peu à manger. Tiens. Oh là là. Prends ta fleur en main, on va voir si ça protège. Attends, alors, je t'ai vu là, toi, Charlie. Attends, comment on fait déjà? Ah oui, d'accord, c'est bon. Non, mais elle est pire que moi. J'essaye de vous retrouver quelque chose. Bienvenue à Dan. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Dan, Dan était dans la team Event Time il y a très longtemps. Et était. Oui, elle était. Voilà, Dan était. Bon, bah, elle reviendra dans 2 ans, ma foi. Mais elle est plus. Non. Mais où est-ce qu'il est? Le pile sauvage.
Il est où le Bill Sauvage? Il brûle là-bas, je l'ai fait cramer. C'est vrai, il avait dit qu'il remplacerait Pierre et oui, c'est vrai. Il avait dit. Oh non. Oh punaise. Donc Dunn était dans la team Event Time, là, très longtemps, ouais. Et Dunn aurait dû totalement, en fait, rentrer sur l'écume en même temps que tout le monde, c'est juste que je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, c'est juste... Un mystère de la vie a fait que j'ai eu des problèmes de santé, voilà, c'est tout. Et ah oui, donc elle n'est pas rentrée sur l'écume. Au tout début, hein, vraiment, avant que l'écume soit connue et tout, en fait. Ah oui, oui, non, mais complètement, ouais. À l'époque, ouais. À la vieille époque, quoi, les vrais qui suivaient à cette époque-là, il y avait Toy, il y avait Reliant, il y avait Edo, quoi. Voilà, c'est les trois premiers. Où est-ce qu'il est le... Où est-ce qu'il est là, le Bill? Les précurseurs. Il est pâti. C'est caché. Il a cassé une partie du labyrinthe de roi. Quoi? Tout le monde voit Mizuna en Steve là? Quoi? Non, je la vois normalement. Attendez, vous êtes parti. C'est ça, sans toi. Vous êtes parti dans la pyramide là déjà? Bah, il y a quelqu'un qui a fait péter un creeper, visiblement. Il y a Bill qui a fait péter un creeper. Disons qu'il y a une deuxième sortie à ton labyrinthe, quoi. Chale. Tu es là, il est là, tu es là. Non, mais c'est simple, regarde. Oui. Je vais te montrer, après avoir tiré mes élytras qui me perturbent. Oui. Tu fais comme ça. Oui. Hop. Ouais, d'accord. Hop. Ouais. Tu fais ça, tu passes ici comme ça, hop. Tu passes comme ça, ensuite tu passes là, tu peux prendre le petit raccourci, tu passes comme ça, et hop, t'es arrivé. Ok. Ouais, mais Aurélien, il oublie de dire que lui, c'est un pro de jump. Eh, hey, qui casse le verre en haut, là? Ah, je sais pas, c'est pas moi. Du. Pumier! Panzai! L'arroseur arrosé! Non! Ah, non! Non! Oui. Tricherie! Oui. Il y a une deuxième partie au jump. Énorme! C'est On a pas dit qu'on pouvait pas poser de bloc, hein? Oh fuck! C'est noté nulle part, hein? C'est marqué nulle part! Non, elle est pas censée avoir de bloc, c'est toi qui as posé le bloc! J'ai failli tomber, Dave! Là où t'as fait non, trucs. En plus elle a passé toute la pyramide. Bravo, GG, du coup. Oh ouais, je suis trop fort, t'as vu. Et à la fin, t'as fait un méga jump pour descendre de la cobble, c'était épatant. Ouais. Et là maintenant, je fais un tour dans le pédiluve. Exceptionnel. Voilà. Dans le pédiluve. Ah ouais, carrément, pour retirer les... Allez, tout c'est le là où il y en a le plus, hein. C'est dégueulasse, le pédiluve. J'adore. Dégoulasse. Viens, Aurélien, baignons-nous dans le pédiluve. Que oui, mais Josilal. On voit le papillon. C'est marrant parce que la cape avec la tête de golem de fer, on dirait juste un papillon avec des yeux, en fait. Ouais, non, mais c'est trop ça. Je suis un papillon. Je suis un magnifique papillon. Non, c'est quoi? Bah non, c'est dans il quoi? Est pas magnifique, mais oui, il est papillon. C'est dans... Je suis un magnifique papillon. Ouais, c'est ça. Aussi beau qu'un papillon de nuit, Aurélien. T'es magnifique. C'est magnifique. Bon, il y a l'épreuve de cuisine de Edo, mais je pense que il a pas refait les stocks, donc on peut pas vraiment le refaire. Bon, on va dire que c'est toi qui as fait ce bout de gâteau. Voilà. Oui, et donc il est quelqu'un peut le manger, faire le jury et dire si c'est bon. Qui? J'ai pas faim. Qui a faim? Moi non plus. Qui a faim? Et puis, de toute façon, il faut que je fasse régime. Ouais. Mais c'est Minecraft, t'inquiète. Aussi, je suis au régime. Tu prendras pas du cul. C'est vrai que je te trouve un peu cubique ces derniers temps. Oh, c'est beau. Voilà. Et une seule, des trois trucs. Je te conseille la torche. Mila n'a pas réussi à le traverser. La torche? Ah oui, la torche. Oh, la torche. Si, elle avait réussi, sauf qu'elle s'est pris une flèche à la sortie. Voilà, c'est ça. Juste et puis, avant de sortir un début, bloc de la réussite, elle est morte. Et il faut que je fasse quoi, là, en fait? Il faut que tu montes là-haut. Dans le d'accord. Bloc infernal. Voilà, puis il faut que tu sortes de l'autre côté. Il y a encore un jump. Oh là là. Faut que tu sortes de l'autre côté. Oh putain. Bonne chance. Oh putain. Excusez-moi. C'est le côté toulousain qui ressort. Oh putain. J'adore quand Aurélien il essaye de faire le toulousain. Mais ça me fait triche. Mais si, je pas là. Mais si, je te suis. Non. Elle triche. Bah t'avais qu'à pas rentrer dans le labyrinthe, c'est tout. Voilà, mais en fait, voilà. Regarde là, celui-là, là, ce visage-là. Il regarde par où? Il regarde par là. Voilà. Bah, j'étais bien parti alors, tout à l'heure. Ah bah, après, bah, t'as juste à suivre les visages, en fait. C'est froid, c'est pas par là, c'est froid. Sinon, c'est bon. Oui, il y en a encore un là. Glacé, c'est pas du tout par là. Il est où? Ah! Bah, continue, regarde. Tut. Tu peux plus. Oh, ça y est. Ouais, GG. Ouais, trop bien. GG. Oh, trop cool. Et voilà. Oh, génial. Il y a un truc spectral. Hi. Qui est spectral?
Attention, donc, roi. T'es monté là-haut, là. Et aïe. Ah, j'ai prévenu. D'accord. Aïe, oh. Non, ça va, c'est des putains. Non, mais c'est parce que fait, t'es, moi. T'étais éteint, je t'ai allumé, c'est tout. Il y a un ouais. Ah, ah, non, merci. Ah, je vois roi à travers les murs. Ou alors, tu utilises la strat du comment, du... Tu le labyrinthe classique et tu prends tout le temps la même direction. Mais attends, tu mais c'est, à droite, c'est le record est battu là. Tu as fait toutes les épreuves en combien de temps hein? Bah, en même pas 20 minutes. En même temps, il y a eu un petit peu d'aide extérieure. Mais hein. Pas ouais, du j'avoue. Certes, pas certes. Du tout. Non. Il y a eu de l'aide donc extérieure et il n'y a pas eu de perturbateur. Les règles, évidemment. Tu peux pas utiliser la moindre ferme pendant 7 jours. Voilà. Okay. Donc ferme à fer, tu peux pas prendre de fer dedans, tu peux pas aller prendre dans un coffre, dans un bâtiment public, tu peux pas. Okay. Ouais, ok. Pendant 7 jours. Tu es seul au monde. Seul au monde pendant 7 jours. Voilà. Bon, tu peux okay. Quand même venir nous voir, nous construire oui, tout oui. Ça, hein, bien sûr. Hein, oui, bah oui, mais je pas veux. Tu peux utiliser la mine commune pour miner, tu sais la où mine... elle est. Non. Bah on va te montrer, bah tiens, viens. Viens. Allez, viens. À la on maison. Est bien. Il y a le printemps. Attends. Qui chante la taille de bouteille. Ok, les amis, on se retrouve à la ferme à or. Alors, donc, parce qu'en fait, depuis le début, moi j'ai une fire, j'ai une smite. Mais en fait, c'est quand même mieux d'avoir une sharpness 5. Hein. Donc, j'étais à la ferme à or déjà pour réparer tous mes outils qu'on mending. Hein. Il suffit de les avoir ici à cet endroit-là. Et c'est vraiment flagrant. Hein. Vous allez voir, regardez par exemple. Là, on a 1242 de durabilité. Et dès qu'on va là, regardez ça, regardez comment ça remonte. C'est bien, on le voit bien hein, quand vous l'avez dans la main gauche. Ici. Alors du coup, je vais retransformer mon épée, donc plutôt en sharpness 5 avec tout ce qu'il y a dessus. Ça coûtait 33. La sharp 5, fire aspect, looting 3, breaking, c'est parfait. À son pépère, c'est parfait. Allez, je me remonte encore un petit peu en XP les amis. Et on se retrouve à l'entrée du palais, juste dans la foulée. À tout de suite. Moi. Ok, nous revoilà. Alors effectivement, donc ici vous voyez, j'ai mis à jour la carte dans le Nether. Hein. Donc je reviens de la ferme à or et regardez bien, ouais, j'ai réparé tout, même tout. J'ai mis mending sur mes leggings, enfin sur mon pantalon. Et du coup, je l'ai réparé vraiment super vite. Ça va super vite à réparer. Je suis vraiment impressionné. Je sais plus si je vous avais montré, je vais vous montrer mon petit chemin qui est ici et qui arrive direct. Exactement. À mon palais impérial. Donc on y va directement et vous allez voir que ça a changé. Il y a eu de la construction dans l'air les amis. Et attention. Tadam ! Et oui ah ouais, effectivement, ça a bien avancé. Alors je vais vous montrer quand même juste un tout petit détail, vous allez voir. Donc alors tous les murs sont pas encore décorés, par contre les toits sont presque, je dis bien presque terminés. Juste petit détail, vous voyez, ici j'ai rajouté de la sandstone hein, parce qu'en fait vous voyez à chaque intersection de toit qu'il y a là, donc il va y avoir de la sandstone à ces endroits là et en fait il va y avoir des étages à ces endroits là hein, qui nous permettra de communiquer pour descendre ou monter aux différents endroits qui se trouvent en hauteur à cet endroit là. Donc ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais rajouter de la sandstone juste sur les côtés pour bien montrer effectivement à cet endroit là. Donc ça va me prendre quand même un petit peu de temps les amis. Et ça va rappeler aussi des éléments de décor qu'on peut retrouver sur toute la plateforme qui est là. Et on se retrouve juste après que je fasse aussi un petit point, parce que là il y a énormément de contenu dans cet épisode encore. Allez, je m'occupe de ça et on se retrouve dans la foulée. À tout de suite les amis. Allez, on va monter, on va mettre de la sandstone. Et ben voilà, une bonne chose qu'elle est faite, les amis. Donc, ben vous voyez, hein, donc j'ai juste rajouté donc à chaque fois des troncs. Bah ben, tu vois, on peut regarder en zoom comme ça. Voilà, donc j'ai rajouté juste des troncs ici sur les côtés. Après, j'ai rajouté donc du bois en dark oak à cet endroit-là, de la sandstone et des barrières en spruce. Vous voyez que ça donne un petit effet fort sympathique.
Donc là, imaginez hein, qu'il n'y a absolument aucune décoration. Bon, sauf pour le bas, évidemment. Hein, et puis l'entrée qui commence à être tout à fait bien. Également, ouais, j'ai des œufs à placer. Vous allez voir, je pense que je vais en mettre sur les trois entrées qui sont en bas. Qui sont en bas à cet endroit-là. Je crois qu'on a encore un peu de temps. Ou... Ouais, bon, c'est pas grave, on le fera la prochaine fois. En tout cas, vous allez voir, même le toit. Hein. Le toit, je vais faire plein de dessins qui seront là-dessus. Toi, toi, mon toit. Toi, toi, mon tout, mon roi. Bon, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, voilà encore un épisode avec beaucoup, beaucoup de contenu, les amis. Donc, bah pour aujourd'hui, c'est fini. Donc, bah je vous dis rendez-vous pour de prochaines aventures sur Holy Cube. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Tchou, tchou, les amis. Salut.